Différemment de ce dont on a l'habitude en fait. Donc là, on va au lieu de s'asseoir en tailleur, on va s'asseoir en fait en ayant les jambes de chaque côté de la brique, hein, si c'est possible. Hein. Si vous n'avez pas trop de tension au niveau des genoux, parce que là, ça tire un peu dans les genoux quand même. Ouais, voilà. Donc si c'est trop, tu peux t'asseoir normalement en tailleur ou alors peut-être ajouter un coussin. Parce que là, c'est un peu plus, on travaille plus en fait l'ouverture au niveau des hanches. Et du coup, ça va tirer davantage au niveau des cuisses en fait. Hein. Donc à l'extérieur et voilà, les muscles en fait, enfin des cuisses et aussi dans les genoux. Donc voilà, vous pouvez vous asseoir comme ceci ou alors simplement en tailleur comme vous avez l'habitude en fait. Fermez un instant les yeux. Et posez les mains sur les cuisses. Les ischions sont bien en contact avec votre support. Et prenez un instant pour porter votre attention sur les points d'appui de contact du corps sur le tapis, donc les jambes. Et les ischions. Lentement, vous allez redresser, enfin allonger votre colonne vertébrale du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Les épaules sont bien relâchées, bien détendues. Portez à présent l'attention sur la respiration. Et laissez la respiration être fluide. L'inspiration est calme. Et l'expiration est profonde. Sentez qu'avec l'expiration, relâchez davantage les ischions sur la brique, sur le tapis. Et laissez les tensions se dissiper. Prenez le temps de respirer calmement. En étant bien consciente la respiration qui circule à l'avant de l'abdomen, la cage thoracique, mais également dans l'espace du dos. Encore un dernier cycle à votre rythme. Relâchez bien le bassin, relâchez bien les épaules. Maintenant, vous allez ouvrir les yeux et retirer le bloc ou le support et venir vous asseoir directement sur le tapis. Vous allez poser les pieds sur le sol, poser les mains à l'arrière au niveau des hanches et venir basculer les jambes d'un côté puis de l'autre. Vous mobilisez un peu plus le bassin et détendre voilà, le bas du corps. Peut-être réveiller un peu les hanches si on est resté assis toute la journée. Alors on peut libérer l'abdomen, les hanches. Et prenez de longues inspirations et de profondes expirations. Lentement ralentissez le mouvement.
et vous allez croiser les jambes, puis ouvrir une jambe, voilà, sur le côté, la jambe est bien tendue, le pied flex et le talon vers le pubis, si possible. Vous allez marcher les mains vers l'avant en gardant la colonne longue et en gardant l'espace entre les épaules ouvert. À chaque expiration, essayez de marcher davantage les mains pour peut-être poser les mains à plat sur le sol et peut-être les bras, toujours en gardant de la longueur entre le coccyx et le sommet du crâne et en gardant les épaules ouvertes. Respirez bien ici. À chaque expiration, peut-être que vous pouvez, si vous êtes sur le bout des doigts, marcher quelques millimètres sans forcer. Puis à nouveau, vous allez revenir vers les jambes, redresser le buste et changer le croisement et l'ouverture des jambes. Donc le pied flexe. Vous allez marcher vers l'avant pour descendre lentement vers le sol, vers la terre. Expirez pour relâcher. Vos ischions sont bien à plat, bien en contact avec le tapis. Gardez l'ouverture entre les épaules, l'ouverture de la poitrine. Et respirez profondément par le nez. Allongez peut-être davantage le talon vers l'avant. Étirez un peu plus l'arrière de la jambe. Puis à nouveau, redressez le buste, marchez les mains lentement vers les jambes, puis vous allez rapprocher les jambes l'une de l'autre et faire de légers mouvements pour détendre l'arrière des jambes. Puis vous allez faire des rotations des chevilles dans un sens, puis dans l'autre sens. Venez à quatre pattes. Avec les mains bien à plat sur le tapis, écartez de la largeur de vos épaules. Les majeurs pointent vers l'avant du tapis. Les doigts sont bien écartés, comme si vous vouliez aspirer le tapis avec vos mains. Les genoux écartés de la largeur des hanches. Vous allez inspirer pour creuser dans le bas du dos. Regardez vers l'avant. Expirez pour arrondir lentement la colonne. Projetez les omoplates vers le ciel. Inspire. Creuse dans le bas du dos. Éloigne les épaules des oreilles et regarde vers l'avant. Expire. Arrondis dans le bas du dos. Projette les omoplates vers le ciel. Le menton rentré légèrement vers la poitrine. Inspire. Creuse. Expire, arrondir, le nombril rentrer vers la colonne. Puis viens dans une posture neutre. Étire le bras droit dans le prolongement de l'oreille. Le regard se pose sur le tapis. Vous allez étirer la jambe gauche dans le prolongement de la hanche. Pose la main droite au sol. Ici, vous allez plier votre jambe et faire des cercles en rapprochant le genou, si possible de l'aisselle, sinon du coude. Faire des cercles dans l'espace, des rotations.
puis changer le sens de rotation. Posez lentement le genou sur le tapis. Vous allez allonger les orteils pour venir dans la posture de l'enfant. Le front sur le sol, relâchez bien le coccyx vers les talons. Inspirez dans tout l'espace du dos et expirez profondément par la bouche. Et inspire, reviens dans la posture du chat. Étire le bras gauche. Les côtes sont rentrées vers l'intérieur, vers la colonne. Puis allonge la jambe à l'arrière, la jambe droite. Étire l'espace entre la pointe, entre les orteils et le bout des doigts. La nuque est longue. Et le nombril rentré vers la colonne. Pose la main sur le tapis. Ici, vous allez plier le genou et faire des cercles. Peut-être en rapprochant le genou de l'aisselle, sinon du coude. Ouvrez bien la jambe vers l'extérieur. Puis changez le sens de rotation. Lentement, pose le genou sur le tapis. Vous allez retourner les orteils, garder les genoux pliés, comme si vous vouliez déposer votre ventre sur vos cuisses. Ici, poussez bien le bassin, les ischions vers le ciel. Pour allonger dans un premier temps la colonne, les mains bien en contact avec le sol, comme si on voulait agripper le tapis. Éloignez bien l'espace, attirez l'espace entre les poignets et les aisselles. Votre nuque est longue, la tête parallèle au bras. Puis vous allez descendre le talon droit vers le tapis en gardant le genou gauche plié. Puis vous allez descendre le talon gauche et plier le genou droit. Et vous allez marcher un talon puis l'autre sur le tapis. En gardant bien de la longueur dans toute la colonne. Lentement, marchez sur place. Et peut-être que vous pourrez rapprocher vos deux talons du sol. Inspirez pour étirer l'espace entre les poignets et les aisselles. Et expire. Relâche bien. Pousse le bassin vers le sol, vers le ciel, pardon. Vous allez monter sur les orteils et venir dans une planche vers l'avant du tapis. Puis à nouveau, chien tête en bas. Encore deux fois votre rythme. Inspirez pour monter sur les orteils et venir dans une planche. La nuque toujours longue. Expire pour amener le nombril vers la colonne, les talons vers le tapis. Inspire à nouveau dans la planche. Expirez, posez les genoux, posez les pieds sur le tapis et venez dans le balasana, l'enfant. Déposez le front sur le tapis. Relâchez bien ici un instant les mâchoires, les muscles du visage. Respirez dans tout l'espace du dos. Détendez votre abdomen. Puis inspire pour revenir dans le chat. Retourne les orteils à nouveau. Le bassin vers le ciel. Les ischions pointent vers le ciel. Vous pouvez garder les genoux légèrement fléchis si vous avez besoin. Voilà, si vous êtes plus confortable avec les genoux fléchis. Sinon, vous pouvez allonger les talons vers le tapis. Inspire pour étirer la jambe droite dans le ciel. Pose le pied au sol. Inspire, étire la jambe gauche. Et à nouveau, pose le pied au sol.
À la prochaine inspiration, lève la jambe droite dans le ciel. Puis viens dans une planche avec le genou vers la poitrine. À nouveau, inspire, tends la jambe. Puis à nouveau, expire, le genou vers la poitrine. Cette fois-ci, viens poser le pied droit à l'extérieur de la main droite et le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Pour la posture de la guirlande, Malasana. Les mains devant la poitrine. La colonne est longue du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Ouvrez bien l'espace entre les épaules. Vous allez venir poser la main droite sur le tibia et allonger le bras gauche dans le prolongement de l'oreille. Vous allez regarder vers votre genou droit, puis vers la main. Et respirez là. Tournez bien la poitrine vers le ciel. Continuez d'approfondir votre respiration. Puis lentement, venez poser les mains au sol devant vous. Relâchez la tête un instant. Et redresse la tête. Et cette fois-ci, pose la main gauche sur la jambe droite. Allonge le bras droit dans le prolongement de l'oreille. Puis regarde vers le genou gauche, puis vers la main, vers le ciel. Vous pouvez pousser davantage avec votre bras vers l'intérieur de la cuisse pour vous aider à tourner le buste, la poitrine vers le ciel. Respirez ici. Puis à nouveau, posez les mains au sol et vous allez passer dans une planche. Pose les genoux. Qui l'écoute, dépose la poitrine lentement, glisse vers l'avant dans un petit cobra. Reviens dans le chat. Retourne les orteils pour chien tête en bas. Inspire. Expire profondément. À la prochaine inspiration, étire la jambe gauche dans le ciel, puis rapproche le genou de la poitrine. À nouveau, inspire, étire la jambe dans le ciel. À la prochaine expiration, viens poser le pied entre les mains, le bout des doigts vers l'avant du tapis, pour amener la jambe droite, le pied droit vers l'avant. Relâche le buste ici et la tête vers les jambes. Vous allez poser les mains sur les tibias. Vous allez inspirer pour redresser le buste en fait parallèle au tapis. La colonne est étirée du coccyx jusqu'au sommet du crâne, éloigne les épaules des oreilles, expire, relâche le buste et la tête vers les jambes. À nouveau, inspire le buste parallèle au sol, rentrez légèrement le menton vers la poitrine. Expire, relâche le buste et la tête. Inspire à nouveau. Le buste est parallèle au tapis. Vous allez poser les mains sur les hanches et redresser lentement le buste à la verticale. Enroulez les épaules vers les oreilles pour relâcher les bras le long du corps. La poitrine est ouverte, l'espace entre les clavicules ouvert. Positionnez les mains devant la poitrine. Inspire et tire les bras vers le ciel. Expire, relâche le buste vers les jambes. Pose le bout des doigts sur le tapis. Inspire, étire la jambe droite vers l'arrière. Pose les mains sur le sol. Chien tête en bas. Inspire pour allonger l'espace entre les poignets et les hanches. Expire, pose les genoux sur le tapis, puis les coudes. Pose la poitrine au sol, glisse vers l'avant, petit cobra. Puis à nouveau, le chat, retourne les orteils pour le chien tête en bas. Expire ici, profondément. Inspirez pour étirer la jambe droite dans le ciel. Pose le pied entre les mains. Le pied à l'arrière,
Positionné pour le guerrier, les orteils pointent vers l'avant du tapis, légèrement à 45 degrés. Redresse le buste. Et voilà, je pubis le sacrum vers la terre. Ici, vous allez venir pencher le buste vers la cuisse. Allonge bien l'espace entre le talon et le coccyx à l'arrière. Puis allonge les bras dans le prolongement de l'oreille. Inspire pour redresser le buste dans une flexion vers l'arrière. Expire, descend les mains, les bras le long du corps. Penche à nouveau le buste vers l'avant et allonge les bras dans le prolongement des oreilles. Puis à nouveau, inspire, redresse le buste. Expire, descend les mains vers le sol. Puis à nouveau, le buste vers l'avant. Respire là un instant. Pose les mains de chaque côté du pied, à l'avant du tapis. Décolle le pied droit, garde le genou un instant vers la poitrine. Puis, viens dans une planche. Pose les genoux. Plie les coudes, garde bien les coudes près du buste. Pose la poitrine au sol, inspire vers l'avant. Petit cobra. Relâche un instant le buste et le front. Positionnez les mains vers les côtes flottantes. Vous allez inspirer pour un grand cobra ou si c'est possible, décoller les genoux et les cuisses pour venir dans le chien tête en haut. Tournez les orteils, chien tête en bas. Expire profondément. Inspire, étire la jambe gauche dans le ciel. Viens poser le pied entre les mains. Le pied droit à l'arrière, positionné pour le guerrier. Redresse le buste. À nouveau, descend un peu plus le coccyx vers la terre, les deux hanches vers l'avant. Allongez l'espace entre le talon et la hanche pour amener davantage votre hanche vers l'avant. Puis à nouveau, approche le buste de la cuisse et allonge les bras vers l'avant dans le prolongement des oreilles. Inspire pour redresser le buste. Expire, descend les mains le long. Buste vers le sol. Inspire à nouveau vers l'avant. Ouvre la poitrine vers le ciel. Expire, descend les mains vers le sol. Inspire, allonge le buste et les bras. Respire là, inspire. À l'avant de la poitrine et à l'arrière. Expire, pose les mains de chaque côté du pied. Décolle le pied, garde le genou vers la poitrine, puis à nouveau, passe dans une planche. Viens poser les genoux, plier les coudes, creuse dans le bas du dos pour poser la poitrine au sol, glisse vers l'avant, dans un grand cobra ou chien tête en haut, avec les genoux décollés. Retourne les orteils, chien tête en bas. Expirez profondément ici par la bouche. Prenez longue inspire pour étirer tout l'espace de la colonne. L'espace entre les poignets et le bassin. Puis à la prochaine inspiration, étire la jambe droite dans le ciel et viens poser le pied entre les mains. Viens sur le bout des doigts et ramène le pied gauche à l'avant du tapis. Relâche le buste et la tête. Inspire pour ouvrir les bras sur les côtés, vers le ciel, expire pour approcher les mains de la poitrine. Relâche un instant les bras le long du corps pour la posture de la montagne, Tadasana. Ferme un instant les yeux ici et observe les sensations. Les pieds, dans les jambes, à l'avant de la poitrine, dans le dos,
Vous allez ouvrir les yeux. Inspirez pour étirer les bras vers l'avant et venir dans une chaise. Pliez les genoux. Expire, relâche le buste vers les cuisses. Et la tête vers les genoux. Inspire, le buste est parallèle au tapis. Expire, vous posez les mains sur le tapis et passez dans une planche. Ici, vous pouvez poser vos genoux sur le sol ou descendre dans une demi-planche. Vous pouvez venir sur les orteils, plier les coudes, venir dans une demi-planche et inspirer vers l'avant. Chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Expirez profondément. Inspire pour étirer la jambe droite dans le ciel. Expire pour ramener le genou vers la poitrine sans poser le pied au sol. Inspire à nouveau, étire la jambe droite dans le ciel. La prochaine expiration, ramène le genou vers l'aisselle droite. Inspire, étire la jambe dans le ciel. Expire pour rapprocher le genou de l'aisselle gauche. Inspire à nouveau, étire la jambe dans le ciel. Bien poser le pied entre les mains. Le pied à l'arrière, posé à plat sur le tapis. Vous allez venir positionner la main droite à l'intérieur du pied droit. Vous pouvez utiliser la brique. Si vous avez besoin, posez la main sur la brique. Sinon, la main à l'intérieur du pied. Dans un premier temps, la main gauche sur la hanche pour ouvrir la poitrine. Puis vous allez, si c'est possible, allonger le bras gauche vers le ciel. Et respirez là. Étirez bien l'espace entre le talon et le coccyx. Puis vous allez étirer votre bras dans le prolongement de votre oreille en gardant la poitrine tournée vers le ciel. Donc regardez vers le ciel. C'est ça. Et respirez. Étirez espace entre le talon et le sommet du crâne. Encore une inspiration ici. Expirez pour poser les mains de chaque côté du pied, à l'avant du tapis. Puis à nouveau, décolle le pied et passe dans une planche. Vous pouvez descendre sur les genoux ou en demi-planche. Pour soit déposer la poitrine au sol, ou venir directement en chien tête en haut. Retourne les orteils, chien tête en bas. Une longue inspiration et une profonde expiration. La respiration est calme et profonde. À la prochaine inspiration, étirez la jambe gauche dans le ciel. Puis expire pour rapprocher le genou de la poitrine. Inspire, étirez la jambe à nouveau dans le ciel. Expire, rapproche le genou de l'aisselle gauche. Inspire, dans la jambe dans le ciel, expire. Le genou vers l'aisselle droite. Inspire, dans la jambe dans le ciel. À l'expiration, pose le pied entre les mains. Le pied à l'arrière, positionné sur le tapis. Tournez à 45. Posez la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Redresse le buste, le bras dans le prolongement de la jambe. Respire ici un instant. Ouvre bien la poitrine vers le ciel. Puis étire le bras dans le prolongement de l'épaule. Et tournez votre abdomen un peu plus vers le ciel également. Puis allonge le bras dans le prolongement de l'oreille. Respire là. Sentez une ligne imaginaire entre le talon et le coccyx. Et le coccyx et le sommet du crâne.
par une inspiration, expire, pose les mains. À nouveau, passe dans une planche, puis dépose les genoux. Et viens dans l'enfant. Pose le front sur le tapis. Inspire dans tout l'espace du dos. De chaque côté de la colonne. Expire, relâche bien les mâchoires, les muscles du visage, les muscles du front. Puis dans une prochaine inspiration, vous allez revenir à quatre pattes. Retournez les orteils. Pour le chien, tête en bas. Inspirez largement. Et expirez profondément. Regardez entre les mains. Vous allez plier les genoux pour marcher ou sauter à l'avant de votre tapis. Relâchez bien le buste et la tête. Inspire bien sur le bout des doigts, le buste parallèle au tapis. Expire, relâche la tête vers les jambes. Plie dans les genoux à l'inspiration pour revenir dans une chaise. Éloignez les épaules des oreilles. Expire, redresse le buste vers le ciel. Amène les mains devant l'espace du cœur. Et relâche un instant les bras le long du corps. Ferme les yeux. Et observe les sensations. Observe la respiration. Puis ouvrez les yeux. Écartez les pieds de la largeur du bassin. À la prochaine inspiration, vous allez décoller votre pied droit pour rapprocher votre genou de votre poitrine et enlacer le genou. Rapprochez la cuisse et le genou vers la poitrine, les épaules toujours basses. Puis vous allez venir dans la version de l'arbre que vous connaissez. Donc soit vous pouvez placer votre pied à l'intérieur de votre cuisse. Si ici pour vous, ce n'est pas accessible, vous pouvez poser votre pied à l'intérieur du tibia ou le talon au-dessus de la malléole et les orteils sur le tapis. Mais pas sur l'articulation du genou. Ici, les mains devant la poitrine. La poitrine est ouverte, les épaules bien basses. Vous allez rapprocher votre hanche vers l'intérieur, vers le centre, voilà, pour ne pas être décalé sur le côté. Si c'est possible, vous allez monter les mains vers le ciel, fixer un point en face de vous pour garder cet équilibre. Voilà, lentement, les mains vers le ciel. Et respirez là, dans toute la longueur. Entre le talon et le pubis, entre les hanches, le bassin et la poitrine, jusqu'au bout des doigts. Puis rapprochez les mains de la poitrine. Ici, vous allez ramener votre genou dans l'axe sans poser le pied au sol. Pour peut-être venir pencher le buste vers l'avant, parallèle au sol, allonger la jambe vers l'arrière. Vous pouvez plier dans votre genou pour garder l'équilibre, tendre la jambe si c'est possible. Puis, ramenez le genou vers la poitrine lentement. Posez la main gauche sur la hanche, la main droite sur le genou droit pour venir ouvrir ici la jambe. Et respirez.
ramène le genou au centre et pose le pied au sol. Vous allez marcher sur place un instant pour détendre les jambes. À nouveau les pieds à l'écart des hanches. Vous allez rapprocher votre genou gauche de votre poitrine. Entrelacez les doigts autour du genou. Relâchez bien vos épaules. Puis vous allez venir placer votre pied pour la posture de l'arbre que vous connaissez. Positionnez les mains devant l'espace de la poitrine, relâchez bien les épaules, fixez un peu en face de vous. Peut-être que vous pouvez rentrer un peu plus la hanche si elle a tendance à sortir. Voilà, ramenez la hanche vers le centre. Allongez les bras vers le ciel. Et respirez là. Respirez sur la bonne ligne, entre le talon et le bout des doigts. Ramène les mains devant la poitrine. La hanche et le genou dans l'axe. Puis penche le buste vers l'avant. Allongez la jambe, étirez la jambe vers l'arrière. Dans la posture du guerrier 3. Les épaules bien éloignées des oreilles. Sentez que vous étirez entre les orteils et le sommet du crâne. Lentement, ramène le genou vers le centre. Pose la main sur la hanche pour ouvrir la jambe. Respirez bien ici. Puis ramène le genou et la hanche dans l'axe. Et dépose lentement le pied sur le tapis. Marche sur place un instant. Venez à l'avant du tapis. Inspirez à nouveau pour venir dans une chaise. Le nombril rentré vers la colonne, le coccyx pointe vers le sol. Expire, relâche le buste et la tête vers les jambes. Inspire, redresse le buste. Expire à nouveau pour relâcher. Étire la jambe droite à l'arrière du tapis. Ici, vous allez poser, vous allez venir poser, positionner la main gauche, passer la main gauche, le bras, à l'intérieur de votre jambe gauche, vous posez la main gauche à l'extérieur de votre pied et respirez ici. Si pour vous la posture est trop intense, vous pouvez poser le genou sur le tapis. Sinon, gardez la jambe étirée. Étirez bien l'espace entre le talon et le sommet du crâne. Si c'est possible, vous allez décoller une main pour venir la placer sur la fesse. La main droite et peut-être l'autre main et respirez là. Vous n'avez que les pieds en fait en contact avec le tapis. Puis lentement, repose les mains de chaque côté du pied et ramène le pied à l'arrière pour chien tête en bas. Prends une longue inspire ici et tiens bien. Bassin vers le ciel, espace entre les poignets et les hanches. Expire. Puis inspire. Étirez la jambe droite dans le ciel. Pose le pied droit entre les mains. À nouveau, vous allez venir passer le bras droit sous la jambe droite. Comme si, en fait,
Alors, vous avez là votre mollet sur votre bras. Ici, toujours, vous pouvez poser le genou au sol si c'est trop intense. Sinon, gardez la jambe tendue. Puis peut-être décoller la main gauche pour la poser sur la fesse, puis la main droite. Et respirez là. Encore une longue inspiration. Expire, pose les mains de chaque côté du pied. À nouveau, chien tête en bas. Inspirez longuement. Et expirez profondément. Encore une longue inspiration. Expire, pose les genoux au sol. Puis viens dans la posture de l'enfant. Relâche bien la tête, relâche bien le bassin. Vous pouvez faire des mouvements du bassin pour détendre le bas du dos. Inspirez longuement dans toute la colonne, dans tout le dos. Expirez profondément par la bouche. Inspirez pour ouvrir l'espace sur les côtés. Expire, relâche. Lâchez bien les mâchoires, les muscles du visage. Encore une fois, inspirez longuement. Et expire profondément par la bouche. Et vous allez ramener les bras le long des cuisses, le long des jambes. Et bien relâchez les épaules vers le tapis. Ramenez les mains vers l'avant de votre tapis pour revenir à quatre pattes. Ici, vous allez venir vous allonger sur le dos. Les jambes sont tendues sur le sol, les bras le long du corps. Vous allez ramener le genou droit vers la poitrine. Posez les mains sur le genou pour rapprocher votre cuisse de votre poitrine, de votre abdomen. La jambe au sol est engagée, elle est tendue et le pied est flex. Les orteils pointent vers le ciel. Vous allez inspirer pour décoller la tête et vous allez venir passez votre main à l'intérieur de votre cuisse, la main droite à l'intérieur de la cuisse, pour, si c'est possible, attraper la tranche externe de votre pied ou le tibia, et pour ramener le genou vers vous en déposant la tête au sol. Donc vous avez le genou vers votre épaule, la main est soit posée donc à l'extérieur sur la tranche externe du pied ou sur le tibia. Et respirez là. Vous pouvez poser la main gauche sur la hanche gauche. Expirez profondément. Ici, on vient faire la même posture. On vient expérimenter la posture qu'on vient de faire, mais allongée au sol. Toujours pour travailler l'ouverture des hanches. Pour détendre l'espace de l'abdomen. Une longue inspiration. Ramenez le genou dans l'axe. Lentement, glissez le pied droit sur le tapis pour allonger la jambe. Puis rapprochez votre genou gauche de votre poitrine. Enlacez les doigts autour du genou. Pour rapprocher la cuisse de l'abdomen. La jambe au sol est tendue, le pied est flex. À nouveau, décollez la tête. Et passez votre main droite, votre bras droit à l'intérieur de votre cuisse pour attraper
soit l'extérieur du pied, soit le tibia, et reposez la tête au sol. Le genou vers votre épaule. La main droite sur la hanche droite. Et respirez ici profondément. Respirez dans tout l'abdomen. Dans tout l'espace de la poitrine. Approfondissez votre respiration. Encore une longue inspiration. Et une profonde expiration. Puis ramène le genou dans l'axe. Lentement, glisse le pied au sol. Et vous allez faire des mouvements d'essuie-glace avec les chevilles et laisser le mouvement remonter jusqu'aux cuisses, jusqu'aux hanches. Détendre les jambes. Puis ramène le genou, les genoux vers la poitrine. Pose les mains sur les genoux. Éloignez bien les cuisses de l'abdomen pour avoir les bras tendus. Vous allez enrouler la tête, décoller la tête pour ramener le menton vers la poitrine et enrouler tout le dos. Restez un instant ici en suspension. Puis, passez les mains sous les cuisses, derrière les genoux, pour déposer les pieds au sol. Vous allez rapprocher les plantes de vos pieds et vous allez passer les mains à l'intérieur des jambes. Glissez les mains sous les mollets. Dans un premier temps, posez les mains sur le sol. Si c'est possible, vous allez enlacer vos doigts sur vos pieds et vous allez relâcher la tête. Peut-être que vous avez la tête en fait sur les pieds. Si cette posture est trop intense, vous pouvez placer les mains sur les tibias et relâcher en gardant les bras sur les cuisses et relâcher la tête. Et respirez. Restez dans cette posture. Sinon, on peut aller un peu plus loin dans la posture. Vous allez redresser le buste. Ramenez les mains vers l'intérieur des cuisses. Ici, vous allez tendre les jambes. Enfin, vous allez étirer les jambes, ouvrir les jambes sur les côtés, en gardant les genoux légèrement fléchis. Vous allez descendre le buste, les mains sur le tapis, sur le sol. Marchez les mains sous les jambes. Vous allez rester dans la posture précédente. Ici, vous allez marcher le bout des doigts vers l'extérieur. Peut-être que vous allez glisser davantage les talons vers l'extérieur également pour descendre davantage la poitrine vers le sol. Respirez. Ici, on travaille donc la souplesse du dos, l'étirement également de la colonne. C'est une posture assez intense pour les hanches, les genoux. Donc, vous pouvez rester dans la posture précédente. Et respirez profondément. C'est une posture qui favorise également le sommeil. Et qui peut venir calmer les angoisses, l'anxiété. Respirez profondément. Et vous allez ramener vos talons vers vous. Ramenez les mains vers
les jambes. Vous allez rapprocher vos jambes l'une de l'autre. On va venir dans une contre-posture. Vous allez poser les mains à l'arrière. Donc, si c'est possible, vous allez venir sur les pieds en étirant tout l'avant du corps. Sinon, vous pouvez poser les pieds sur le tapis à l'écart des hanches et venir décoller le bassin pour une table renversée. Sinon, vous avez les jambes tendues. Et respirez. Lentement, pose les jambes, les fesses sur le tapis. Et vous allez venir vous allonger sur le dos. Les pieds à plat sur le sol, les talons vers les ischions. Les pieds sont écartés de la largeur des hanches. Vous allez inspirer pour décoller le bassin et étirer les bras derrière la tête. Expire, rapproche le dos lentement du tapis, vertèbre par vertèbre, en rapprochant au maximum le coccyx vers les talons. Et dépose le sacrum sur le sol, les bras toujours tendus derrière la tête. Inspirez, vous allongez les bras vers le ciel. Les bras tendus vers le ciel, les jambes tendues vers le ciel, les pieds sont flex. Puis expire pour poser les talons et les bras le long du corps. Encore une fois, à votre rythme. Inspirez pour décoller le bassin, allonge les bras derrière la tête. Expire, rapproche le dos du tapis très lentement, vertèbre par vertèbre. Pour étirer au maximum le dos, rapproche le coccyx des talons. Pose le sacrum. Inspire, étire les bras vers le ciel et les jambes. Les pieds flexent. Expire, rapproche les ischions, les talons des ischions, les bras le long du corps. Une dernière fois à votre rythme. Inspire, décolle le bassin. Les bras derrière la tête au sol. Expire pour rapprocher le coccyx des talons. Allonge l'espace de la colonne. Inspire, les bras tendus vers le ciel, les jambes tendues, les pieds sont flexes. Expire, ramène les pieds au sol, les bras le long du corps. Vous allez ouvrir les bras en croix. Vous allez inspirer pour rapprocher vos genoux de votre poitrine. À l'expiration, laissez tomber les jambes sur le côté droit. Si c'est possible, vous allez tourner la tête à gauche. Gardez bien les épaules en contact avec le sol. Respirez profondément entre la hanche et les selles. À chaque expiration, relâchez bien les épaules au sol. Inspirez dans tout l'espace ouvert. Comme un massage. Expirez pour relâcher les épaules. À l'inspiration, ramène le bassin dans l'axe et la tête dans l'axe. Expire pour relâcher les jambes de l'autre côté. Et peut-être tourne la main vers la tête, pardon, vers la main droite. Relâchez bien les épaules. Inspirez largement dans tout l'espace ouvert, dans tout le dos. Expire, relâchez bien les épaules. Détendez le haut du corps.
par une longue inspiration et une profonde expiration. Inspirez pour amener les genoux et la tête dans l'axe. Posez les mains sur les genoux. Éloignez les cuisses et les genoux de la poitrine. Ici, vous allez faire de légers mouvements, des rotations dans un sens, le sacrum sur le tapis, pour détendre les lombaires. Puis dans l'autre sens. Et rapprochez vos genoux de votre poitrine et enlacez les bras autour du genou, autour des genoux. Le menton légèrement rentré pour étirer davantage la nuque. Poussez légèrement les genoux dans les bras pour allonger un peu plus le sacrum sur le sol. Puis lentement, vous allez laisser vos pieds revenir sur le sol et glisser les pieds sur le tapis. Allongez les jambes, les bras le long du corps, légèrement éloignés du corps. Relâchez bien vos épaules, vos omoplates. Relâchez bien le sacrum. Laissez vos chevilles, vos pieds aller vers l'extérieur. Relâchez bien les muscles du visage, les muscles du front. Vos paupières sont fermées. Détendez votre mâchoire. Faites légèrement entrouvrir les lèvres pour bien relâcher les muscles autour de la bouche. Détendez votre abdomen. Votre respiration est naturelle. Tout l'espace du dos bien en contact avec le tapis, avec le sol. Entrez lentement dans cette posture de Shavasana, de